Là, vous avez été où tout le monde pour un. Bon, vas-y, on va commencer. Désolé, je regarde pas le chat. Oh, 700 viewers. Ah ouais. Bon, pour les nouveaux viewers, en gros, là ce soir c'est une soirée spéciale. En gros, je vais expliquer tous les rôles sur toutes les maps. Ok. Et en gros, on va faire des pracs avec des viewers. Enfin, ok, il y a moitié viewer, moitié pote à moi. Mais en gros, on va tester les pracs sur D2. Je vais montrer des trucs sur D2. Et on va faire les pracs. Et après, on va voir les erreurs. Et à la fin, je ferai tout le temps des débriefs. Ok. Et là voilà, on va parler des rôles sur toutes les maps et voilà. Merci pour le host en tout cas Kiket. Par contre j'ai pas vu, ça a bugué. Ah, ce soir Kiket hein. Comme PV je me ban. Ouais, go PV cargo je me ban. Voilà. Bon, go les mecs, c'est parti. Voilà, je vais vous parler d'abord du terreau. Ok. Les rôles, vous les choisirez pas. Juste à peu près déjà, enfin ce qui aurait mieux par rapport à vous. Donc l'ouvreur ce sera Damien. Le Revenger, le gars qui suivra Damien, donc les stars, ce sera Météor. La coupe passive, ce sera Team Team. Donc la coupe passive, ce sera le gars qui jouera B. Et la Whopper, ce sera Tani. Ok? Moi, je serai la coupe Damien, c'est agressive. juste quoi le pseudo de Damien? C'est Playstar. Ok, d'accord. Donc en gros, moi, je serai la coupe agressive, mais je vais pas jouer comme si j'étais en équipe. Parce que si par exemple, on va jouer contre des gars, bon, ils seront bons, tu vois, mais ils seront pas ouf. Donc ça sert à rien que je rush d'un côté et que je tue 3 gars et qu'au final, le prac sert à rien. Donc je vais tout le temps vous laisser jouer. Moi je vais essayer d'être passif, regarder un peu les erreurs, je vais regarder mon radar pour essayer de vous diriger. J'ai même augmenté mon radar exprès pour vous. Donc voilà. Donc là je vais expliquer les rôles. Ok. Alors le rôle de l'ouvreur ce sera Playstar. Tu joueras tout le temps côté Bécourt. Ok. Donc t'arrives, tu cours. Tu vas Bécourt. Tac. En général t'arrives là, tenez ouvre l'info. Si t'as pas l'info, tu fais gaffe. Ok. Là, à partir de là, toi, il y a un pote qui te mettra la flash anticorne, Damien. Donc la flash anticorne, t'as trois solutions de décale. T'as la décale comme ça tu peux tuer le gars et tu le sanctionnes. T'as la décale comme ça, ok. Et t'as la décale comme ça. Ça c'est en général la meilleure si tu veux jouer safe. Merde. Ok. Après, si le gars, ben ça on le fera peut-être pas, je pense pas. Enfin, on le verra sur la deuxième prac si ça se passe bien. Mais des fois on mettra pas la flash anticorne. Je pense qu'on le fera sur la deuxième. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de snipes. Bon, là, ce sera pas des tops. Donc, tu sais qu'ils se mettent comme ça anti-flash. Et dès qu'il y a la flash qui pète, ils se retournent. Donc, en gros, c'est pour ça que des fois, il faut le faire en slow. Tu prends un risque comme ça, là. Là, il te voit pas, il te voit pas, il te voit pas. Et en gros, tu vas aller chercher plus tard. Ok? Mais là, on le fera pas. On jouera souvent avec la flash anticorne. Donc, toi, tu auras plusieurs solutions. Soit sauter. Tu sautes bien large. Parce que si tu sautes, tu restes comme ça sur le rebord. Le gars ici, il va pas être blanc et te décalera. Tu vois? Ou alors il va se mettre tête dans le mur, dès que la flash va péter, il va te décaler, alors que si t'es sur la caisse, il te voit pas. Soit juste comme ça, genre, il te met la flash, tu fais comme ça et t'avances. Ok? A partir de là, donc ça c'est la flash anticorne. Ça sera Météor qui la mettra, je te montrerai après. A partir de là, toi tu te mettras ici, Damien, donc là tu feras gaffe là. Tu te mettras ici dans le coin, tu feras double clic et tu viseras en haut de ça. Et tu lances avec les double clics. Okay. Là, t'as plusieurs solutions, t'en as trois. Première solution, tu mets la flash. Tu décales dessus. Comme ça. Voilà. Deuxième solution, en général, c'est celle que tu feras. Tu fais juste ça. Tu décales la gauche. Et tu recules. Et troisième solution, voilà, c'est tu fais ça. Et tu recules direct là. Et tu montes là, ok? À partir de là, je te laisse là. Après, j'expliquerai après. Faut juste que les autres te rattrapent. Donc, toi, ton rôle, c'est ça, Damien. Donc, ça, c'est le rôle de l'ouvreur, les mecs, ok? Maintenant, le rôle du gars qui est palmier, donc c'est-à-dire le Revenger, ça sera Météor. C'est d'arriver, tu auras tout le temps la bombe, ok. T'arrives, tu viens là, tu fais gaffe. Tac, au bout d'un moment, il y a le gars Bécourt, il va dire mets-moi la flash anticorne. Donc la flash anticorne, c'est tu te colles t'es environ contre le mur là. Tu vises ça là, tu vois, donc aligné, tu en gros le but c'est de la faire rebondir là-dessus. Donc tu vises ça, t'avances et tu lances, t'avances pas trop, juste genre, je vais te le faire. Tac, flash anticorne, je flash, blanc. Et t'as vu ce que j'ai fait après, je suis revenu en ligne cassée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs, je sais pas si tu vois sur mon stream, qui font ça, et au moment où ils voient la flash avancer, je te baise. Ok? Donc en gros, faut que tu fasses ça. Flash anticorne, s'il te plaît. Donc tu fais ça. Flash anticorne, je flash et je me cache direct comme ça. J'attends l'agression. Là, y'a rien. Ok, tu reprends ta ligne comme ça vite fait. Là, ton pote va flasher le mid. Au moment où ton pote flash mid, tu décales large, comme ça. Et là, tu peux prendre ton cut et t'y vas. Après, tu gardes la visu là, comme ça. Ok? Le troisième, ça sera Tani. Donc il y a plusieurs solutions. La solution numéro 1 est qu'on fera la Tani. Donc voilà, pas autre... enfin, on changera peut-être sur la deuxième prac, mais sur la première, ce sera tout le temps ça. Tu tiens la visu mid ou juste le Bécourt.
Faut que tu essaies juste de pas mourir parce que je veux pas qu'on fasse des 4v5, la prague servira à rien. Donc faut tout le temps qu'on soit en 5v5 pour vraiment s'habituer à travailler, etc. Ok? Donc t'es comme ça, hop, t'as la WAP, t'attends. Et au bout d'un moment, tu vas venir palmier avec ton pote. Là, il y a Damien qui va faire ok, je flash bid, bim, tu décales et tu gardes la visu là. Ok? Et t'avances en slow. Ok? T'avances en slow, t'avances en slow, t'avances en slow. Après, tu prends ton cut, je vais t'apprendre un peu à décaler les lignes à WAP. Si tu connaissais pas, on sait jamais. Bon, je suis pas wapper, hein, mais je sais qu'il y a cette ligne là, tu sautes comme ça et tu décales comme ça. Là, une fois que tu vois qu'il n'y a rien, tu te mets dans le coin là et tu mets la flash au-dessus de ça. Là, tu vois, entre ça et ça, les deux trucs là, et au-dessus de ça, au-dessus du mur. Donc en gros, la flash, elle pète. Je vais mettre une HE parce que là, il n'y a pas le trait. Donc au-dessus de ça, elle pète pile poil ici. Donc en gros, elle flash la ligne Markel Off, donc ça, on appellera ça Markel Off. Ou Pimp, un des deux. Je sais pas, vous avez déjà entendu Pimp? Vous avez déjà entendu Markel Off, un des deux? Markel Off, Ok, bon, on va l'appeler Markel Off alors. Et ça flash aussi la ligne là, ok, parce qu'il y a beaucoup de flash qui flash pas ici. Et ça flash aussi la ligne là, bah bon, après ça, voilà, c'est ça, on peut rien y faire ici. Ok, toi, team, t'es B et t'attends B. Voilà, toi, t'es la coupe passive. Moi, en général, soit je resterai dans la GA, soit je viendrai avec vous. Je pense que je vais venir avec vous histoire de voir les erreurs qu'il y a, etc. Mais voilà. Donc voilà, donc vous êtes arrêté à là, Damien. Donc toi, Damien, dès que t'es là, tu montes, tu fais ça comme ça, tu fais gaffe à gauche, si t'as pas checké. Hop, tu montes là comme ça, et dès t'avances comme ça en slow, et tu te mets anti-flash ici. Ok? Météor, toi tu fais ça, tu montes, tu restes comme ça. Et là, justement, le timing, c'est Tani va vous mettre la flash. Ok? Ok? Donc là, Météor, toi, au moment où la flash elle part, tu cours comme ça, tu te mets anti-flash. Tu check là et après tu te remets anti-flash. Parce qu'en fait, il y a souvent des équipes qui mettent la WAP ici. Et au moment où l'autre il est là comme ça, il y a Jackie Flash qui te met la flash comme ça. Donc en gros, toi, il y a Playstar qui va courir comme ça. Ou alors courir comme ça, on s'en fout. Et toi, le but c'est que tu décales au début, parce qu'on sait jamais, ça se trouve il y en a un là ou en plein milieu. Tu décales, donc hop, tu décales au début, tu vois qu'il n'y a rien, tu te recaches. Ok? Et après, toi, Tani, dès que t'as mis la flash, hop, avec ton AWAP, tu prends la vis humide, tu montes, hop, et tu gardes les vis humides, enfin voilà, tu es un AWAPer, ok? Soit après il y a le mec de Vécourt qui arrive, non? Enfin, il y a le mec de En général, non, mais ça dépend, l'extrémité. ça dépend, ça dépend. J'expliquerai après, c'est pour ça, là, t'inquiète. La deuxième variante qu'on peut faire, Météor, en gros, tu dois tout le temps être là, Damien, tu dois être anti-flash, c'est-à-dire que si un gars met une flash là, toi, Météor, tu seras blanc, mais tu seras accroupi, tu seras pas mort, et lui, il sera anti-flash, et il va sanctionner le mec qui reprend. C'est pour ça que les positions sont vraiment importantes. La deuxième solution, c'est Tani, il va flash, et toi, Météor, tu dis vas-y, flash, et tu mets le mollo avant, flash, blanc. Et comme ça, le gars qui est mollo ici, tu vois, il va sortir de sa mollo, et il va prendre la flash, tu vois, du coup. Donc ça c'est la deuxième. En gros c'est si tu veux prendre la corne late, enfin en mode pas beaucoup de stuff, tu mets juste la flash. Et si tu te doutes qu'il y a peut-être un gars dans la corne, tu mets la mollo. Ok? Et Damien dans ce cas-là, hop, tu fais ça, au pire tu traverses la mollo vite fait comme ça, ou alors tu restes derrière. T'as avantage vu que la mollo va cramer, tu seras un peu invisible, ok? Et toi après tu fais comme ça et toi Météor, toujours pareil. Ok? Voilà. Là maintenant, ça c'est juste la base du contrôle map. Maintenant, sur ce contrôle map. On va faire des straps simples, ça va être la gangbang. Ok? La gangbang, ça va être quoi? C'est moi qui vais mettre tous les stuff, comme ça c'est pas très dur. Vous allez être là, Damien, t'auras juste à mettre une molo BP. Ok? Donc ta molo BP, si tu vois le drapeau en haut à droite, tu vises le drapeau et t'avances. La molo va là. Parce que la plupart des Jackie Molo qui savent pas molo le A, ils la mettent comme ça. Et regardez ce qu'elle fait. Coucou, je suis invisible. Là, t'es invisible. Alors que si la mollo, la structure de la mollo est là, mais là t'es pas invisible. Et en plus, bon là elle est buggée, mais voilà, regardez, là t'es plus invisible, ok? Donc faut vraiment que tu vises le drapeau. Donc en gros, moi je vais mettre la smoke, comme ça, une flash comme ça, et je vais sauter. Voilà. Toi Damien, Playstar, donc tu vas mettre la mollo, t'attends la flash et tu décales après la flash. Tu cours, ton but c'est de courir, t'es l'ouvreur. Et toi, Météor, c'est t'attends la flash pète, tu décales en sautant, tu mets le flash ASP. Donc la flash ASP, ça rebond contre le mur comme ça. Ok? Tu cours, hop, flash contre le mur, comme ça on s'en fout à l'arrache, et après tu cours. Et toi, Tani, toi tu vas être un peu le Smith, tu vas arriver, tu vas mettre. Moi je vais mettre la flash, après la flash tu mets direct flash ASP, et toi tu restes un peu anti-flash, tu fais comme ça, genre. Tu cours comme ça, ok? Si. C'est important, toi ta mollo. Si on pose pour la corne,
Là, c'est principe. Donc, la pose pour la corde, c'est ici. Donc, le l'ouvreur, Damien, toi, tu l'as checké là direct. Ok. Dès qu'on pose sur la corde, il y en a un qui reste BP et un seul. Sur toutes les maps, c'est pareil. Un qui reste BP et un seul. C'est-à-dire que toi, Damien, tu vas poser, tu vas rester sur le BP. Les autres, vous allez tous reculer. La web, tu vas reculer. Et le seul truc, Météor, c'est soit tu recules corde, soit tu te mets ici. Ça s'appelle pose, on Ok. appelle ça pose Apex, tu vois. Comme ça, quand les gars reprennent spawn, t'es un avantage de ouf, tu vois. Pareil, t'auras une molo si tu n'utilises pas l'autre. Hop, tu mettras la molo spawn comme ça, ou des choses comme ça, ok? Si aussi tu vois que t'es une molo, soit tu la mets spawn, soit tu recules corne, et comme ça, t'auras déjà une molo pour la corne, bim. Et au pire, il y aura Tani qui en rend deuxième. Ça veut dire qu'on a deux molos, les gars, pour diffuser à chaque feuille, ok? Ça, c'est juste la seule strat qu'on va faire. La gangbang. La deuxième variante qu'on va juste faire, voilà, c'est la fake gangbang. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais faire ça. Hop, je vais mettre la smoke, je vais mettre la flash et vous faites une 3-2-B. Ok, donc là-dessus, je vais pas trop vous expliquer. À part juste qu'un truc, c'est quand on fait une 3-2-B, oubliez pas les rôles. C'est Damien qui Playstar, donc qui sort en premier. Météor, toi t'es le deuxième, tu sors, tu mets la smoke direct. Ok, donc si vous voulez que la smoke pète en bien, c'est pas en bas qu'il faut viser, c'est un peu pas au milieu de la caisse, mais un peu entre les deux. Bon, je vais vous montrer après. Et toi, Tani, tu décales comme ça. Enfin, tu décales à la WAP, genre, tu décales, tu cours, tu décales à la WAP, bim. Et tu décales comme ça, et direct vous courez. Il n'y a pas de flash. Tani, je veux pas t'entendre dire je flash. Ok? Donc vous courez, et la seule flash que tu peux mettre, c'est genre tu seras troisième. C'est une flash comme ça. Dès que tu es environ au niveau d'ici, tu mets une flash comme ça, clic droit en sautant. C'est la seule flash que tu peux mettre. Donc t'arrives, dès que tu es vers ici, tu flash. Si tu vois que Playstar est déjà low, mais pas la flash du Oui, coup. non, ouais, c'est Ok? ça. Et toi, en gros, Météor, dis-toi juste que tu vas mettre la smoke. Donc la smoke, c'est je te montre le repère. Tu décales et tu vises vers là, tu vois. Comme ça, regarde ce qu'elle fait. En gros, vers là, elle pète direct. T'as vu? Toi direct et après tu te mets anti-flash. Toi tu te mets tout le temps anti-flash, anti-flash, anti-flash. Et sur toutes les zones de rush, donc je vais pas expliquer toutes tes strats, si on fait des clics ou quoi, tu seras tout le temps le mec anti-flash. Quoi qu'il arrive. On rush le B, sauf si bien sûr t'es premier, mais le deuxième est tout le temps anti-flash. Ok? Donc si y a un gars qui. Là par exemple on rentre sur le BP, on rush tout sur le BP, il y a Playstar il va faire ça. Toi tu vas être anti-flash au début, après tu vas faire ça. Direct on a fait les kills, direct tu vas te mettre anti-flash. On a fait les kills, tu te mets direct anti-flash, t'attends pas. Tu dis pas j'ai sais pas quoi, tu dis je suis anti-flash, les mecs débrouillez-vous. Enfin, tu dis pas débrouillez-vous, mais tu dis je suis anti-flash. Ok? Ok. Voilà, donc ça sera juste la fake gangbang. Donc, moi en gros, je vais vous expliquer ce que je fais. Moi, je vais mettre la smoke comme ça, tac, une flash comme ça. Je cours, je saute, bim, hop, et je dis je vais rusher avec vous. Et en gros, vous allez mettre la smoke ici. Et on sait qu'il y a personne spawn CT, tu vois. Donc en gros, bah moi je viens avec vous et là bah on sait qu'ils sont que deux, donc on est 5v2. Ok? Et si pareil, si toi t'es trop loin, Tani, s'il y a un mec qui flash chez moi. Parce que moi je suis ici, vous serez encore là-haut. Bah tu vois, Ouais. c'est. Donc voilà. Maintenant, donc ça j'espère que vous avez un peu retenu le contrôle map. Je vais vous passer le deuxième contrôle map et on va faire une strat dessus, comme ça va pas être trop compliqué. On le fera souvent à l'UMP. Ça sera le contrôle map Fnatic, je vais vous dire en gros, ça vous allez à 4 en B. Donc il y a Team, toi Team, tu restes ici. Et les trois autres, vous venez Bécor. Moi, je vous mets la flash anti-corne en slow. Vous venez Bécor en slow. Bim, flash anti-corne, vous checkez. La Playstar, il va mettre sa flash. Et là, vous faites une 3-2-B. Il flash, blanc, il enchaîne. Toi, tu vas arriver, Météor, si t'as retenu. Il flash, blanc. Hop, et vous enchaînez. Anti-flash, comme ça, anti-flash, comme ça, anti-flash, anti-flash. Et tu suis ton pote, ok? Tu suis tout le temps ton pote. Et toi, Tani, tu vas arriver ici, t'essaies de revenge ou bah voilà, tu fous la merde, t'as la WAP. Et toi, tu cours aussi, ok? Faut vraiment pas que tu meurs. Donc voilà, ça s'appellera contre ma Fnatic. Et je vous dirai, enfin, je vais vous le dire, tu sais, je vais pas vous dire Fnatic parce que voilà, je vais vous dire, allez à 4B, à 3B quoi, ok? Donc ça, on fera souvent à l'UMP. Donc ça, question UMP, quand je vous dis round bonus, en gros, vous achetez juste ce que vous avez besoin. Donc si par exemple, vous avez 6000, vous achetez juste UMP, Playstar, il va acheter une flash, et toi, Météor, tu vas acheter une smoke, vous achetez rien d'autre. Ok? Quand je dis round bonus, c'est vraiment genre, c'est un round bonus. C'est-à-dire, si on le met, on est trop bien. Si on le met pas, on s'en fout. C'est comme une écho, mais voilà. Tu vois, c'est pour surprendre les mecs. Ok? Ouais. Et le dernier truc que je vais dire, ça s'appelle contrôle map Astralis, mais je vais pas vous le dire. C'est en gros, un gars, il a un spawner, il prend la visio à la WAP. Et derrière, il y en a un qui va se moquer sur la caisse, donc ça va être Pestar. Donc Damien, regarde bien, ça va être tout le temps Très toi. bien. Donc tu te mets, tu vois, il y a deux trucs là. Un, deux. Tu te mets sur le deuxième. Ici, et tu vises la grosse antenne. Ouais. Ok, donc toi tu vas devoir prendre une smoke, une flash. Donc regarde ce qu'elle fait. Hop, une smoke et la flash, t'attends qu'elle pète. Tu vois, tu l'entends, t'attends qu'elle pète, tu mets une flash comme ça. Et là, tu décales. Pas trop large parce que si tu fais ça, il y a Jean-Michel Middle qui te tue. Donc tu sautes comme ça, hop,
Et là tu y vas. La flash elle sert à quoi? C'est parce que c'est souvent quand il y a cette moque là, ben, le gars il va arriver à la WAP et il va se dire nickel, je suis trop bien. Donc la flash c'est pour le baiser, tu vois. Et après vous accélérez quoi? Donc en gros le truc c'est quoi? Et toi team, donc en gros c'est un qui fait ça et trois qui reste là. Et toi team, c'est pour ça que c'est pas une strat au final, c'est toi tu restes dans ton B. Ok? Après toi team, essaie d'être intelligent. Quand ils font une 3-2-B, par exemple je vais te passer une smoke, regarde. Tu te mets là, ton truc bleu, tu l'alignes avec ce truc bleu là. Tac. Et tu vises à gauche de ça. Tu vois la banderole là, tu vises à gauche. Tac. Donc quand on fait la 3-2-B, tu mets la smoke 3 en même temps que la smoke 3-2-B, tu mets cette smoke là. T'avances en slow, bim, tu peux checker la gauche. Et là tu vois que tes potes ils sortent. Soit tu sors avant qu'eux, avant eux, tu mets une flash, tu sors avant eux, parce que sinon tu vas les flasher. Ou soit si tu vois qu'ils sont déjà en train de passer sur le BP, t'as plusieurs solutions. Soit tu décales comme ça, ou soit tu décales comme ça. Ok? Et là, t'essaies de timing. Tu regardes ton radar, tu regardes si les gars sont lucarnes, sont portes et tout. Et voilà. Explique-moi tout, ils vont pas réussir à copier. Voilà, c'est compliqué. Enfin, là, c'est pas compliqué. Hein. Tu peux demander à Et ceux avec qui j'ai team up. Oui. quand vous faites l'agression en short là, Oui. je me mets en Toi, l'air. t'es la coupe. Tu vas où tu veux, t'es la coupe. Tu prends tes risques. Si tu veux aggro le B, prendre un kill et jouer reculer, bah tu prends ton kill, tu joues reculer après. Si tu veux jouer reculer tout court, tu joues reculer. Si tu veux aller B court, tu vas B court. Dis-toi juste que. Voilà, il y aura des flashs. Des coups, on ne l'aura pas. Qu'il n'y aura pas de flash anticorne. Mais bon, il y aura la smoke. Mais la flash anticorne, elle sert aussi à flasher ici. Donc, enfin, voilà. Donc, faut. En gros, la coupe, c'est pour ça que la coupe doit tout le temps être intelligente. C'est que voilà. Tu dois savoir comment on décale. La coupe qui est conne, elle va faire ça. Bim, tu meurs d'ici. Il y a une smoke là, mais tu meurs d'ici. Et la coupe intelligente, elle va faire. Hop, le gars il tire. Et là, tu peux prendre ta zone, tu vois. Donc, c'est toi. Toi, en gros, tu vas juste te focus sur ta game. Ok? Après, dernier truc, normalement là j'aurais pas besoin de vous le dire, mais si on fait une déclic B, c'est comme j'ai dit, c'est les gars on est devant, on avance en slow, et le quatrième il stuff, donc le quatrième ça sera tout le temps la WAP. Soit la WAP, donc soit la WAP, soit Météor, ok? Donc si c'est la WAP, c'est-à-dire que la WAP tient la ligne là, et si c'est Météor, c'est-à-dire que toi t'es là, hop tu mets les flashs, et direct tu fais quoi? Anti-flash. Anti-flash, t'arrives? Donc là on sait qu'il y a personne à gauche, les flashs c'est juste pour reflasher la droite. T'arrives, Playstar ou moi on va donner le go. 3, 2, 1, go, hop, tu flash, anti-flash, 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 tu check là, anti-flash, anti-flash, anti-flash. Flash pote, ça reprend, ok, mort. Voilà, toi tu sers juste à ça. Ok? Donc c'est pas compliqué. Et toi, Playstar, t'as juste à. T'arrives, t'es là. Dès que t'es là, vas-y prépare-toi flash, vas-y flash. Blanc. Ok, toi tu niques des. Et moi je vais te suivre, je vais te suivre, pardon. Hop, et tu niques des grand-mères. Voilà. Ok? Voilà. Sinon, n'oubliez pas quand on fait une Axel, c'est vous êtes arme en main et les gars qui doivent se faire, c'est soit moi, soit Team, soit la coupe, la WAP, donc Tani. Ok. Si par exemple on gruge GA, vous rushez. Vous êtes là, vous rushez. Moi ou Tani, on va faire ça. On va vous mettre les flashs. Vous êtes arme en main. Les gars ils reprennent, boum, tu le baises. Et là, la Météore, Météore il est pas comme ça. Météore il est comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, on va tester ça. Maintenant, je vais juste vous expliquer le CT. Il est quelle heure? 20h30. J'explique le CT vite fait. Et après, c'est bon. Donc, le CT, c'est quoi? C'est qu'il y aura les deux gars dans le trou. Je vais mettre. Qui veut jouer? Qui veut jouer dans le trou là? Qui veut jouer à peu près où? Dites-moi. Et je vais dire à peu près si oui ou non. Mais Déjà, Tani, tu joues pivot. Déjà, ça c'est fait. ok Après. Enfin, pivot, tu joues la WAP A quoi. ouais Ok, les autres, vous voulez aller où? B, Playstar? moi B, moi moi Ok. moi Ah, donc tu joues dans le trou team et Météor en ouais pivot B du coup. ouais du coup Donc à chaque fois ça fera quoi? Est-ce que tu connais un mollo comme ça, Tani? ouais c'est bon. Ok. Donc à chaque fois il mettra soit lui soit moi et l'autre il mettra la flash comme ça. Quand je mets la flash, donc toi qui sera tout team, si ça rush comme ça, je vais te mettre la flash et regarde, ça va faire je te flash, t'attends un tout petit peu, tu remets la flash, blanc t'esquive et là tu décales sur la team en même temps. Tu vois le move ou pas? Genre, je flash, t'attends une demi-seconde, hop, blanc. Blanc, tu vois, comme ça tu décales, ça permet de décaler sur plein de flashs, tu vois. Et toi, Tani, quand je flash, toi tu te mets pas au même endroit. Et n'oublie pas ce que j'ai dit hier, c'est toi team, tu cours comme ça, tu décales large. Et toi, Tani, justement, tu vas te mettre au fond. T'arrives, je flash, blanc. Comme ça évite de se prendre un vieux spray, ok? Et en plus, t'auras la WAP, donc autant être toi. Voilà, et en B, vous faites ce que vous Mais voulez. si il se fait niquer dès le début, je reste .com ou je Mais il sera reprends pas le B? niqué dès le début, parce qu'au moment où il y a les flashs qui vont partir, on Ah, sera mais 3 à sinon se je vais battre. être une crasse. Bah Ah, oui, mais les trois, on se battra à 3, tu ok, vois. d'accord, c'est bon. Les gars en B, le mieux, c'est que Playstar, tu seras le fixe. Donc tu vas, t'arrives, tu fais ça. Ça, tu te mets là, tu mets la flash comme ça. En gros, tu te mets vers là, là.
Tu mets la flash comme ça. Et hop, tu sautes après la flash. Si tu vois que ça te rush, tu te recaches là. Et là, il y a Météor. Météor, il arrive. Il met des flashs comme ça. Une, deux. Là, il y a moi le pivot. J'arrive, flash porte. Bim, je te flash, tu décales. Ok? Et toi, Playstar, tu te mets là. Et comme ça, au moment où il y a une flash qui pète, boum, tu te relèves. Mort! Flash qui pète, tu te relèves. Mort! T'as compris? Et après, donc là, ça économise. Regardez, on n'a pas utilisé de smoke. Donc ça économise les smokes. Si Damien, tu flash comme ça. Donc la flash, bien ici, et tu vises là. Si tu décales après, hop, t'économises ta smoke. Bim, tu te remets comme ça, hop, tu te mets comme ça. Météor, il attend, il attend, il attend. Là, à partir de là, tu peux smoke. Ou alors, si tu veux prendre des risques, tu remets une flash et tu. Voilà. Ok, y a rien, je vais mettre ces deux où tu veux, tu peux te mettre là, où tu veux, et t'économises ta smoke. Ok? Donc vas-y, on va tester. Tu peux te seek une prank, Ouais. Tani, s'il te plaît? Je peux juste expliquer ce que je fais moi en tant que PvP parce que. Tu veux que je t'explique? Ok, si vous avez des Vas-y. questions aussi les autres, n'hésitez pas. Hein. Donc toi, en gros, quand ça sera de l'anti-écho, tu te mets ici. Si Playstar te dit y a rien tunnel, tu reviens ici et tu viens te battre. C'est de l'anti-écho, faut pas les laisser prendre le mid. Moi, je vais arriver et je vais arriver avec toi. On va se battre soit à deux comme ça, soit si j'ai un pompe, je vais aller contact. Ok? Le but, c'est qu'on les laisse pas prendre la corne. Comme ça, nos deux potes, ils ont la GA à deux. Nous, on a le mid à deux, plus la corne à deux. Si ça passe corne, moi je back et voilà, on fait des rotations. Et voilà. Donc quand c'est de l'armée, par contre, tu mets flash en main, pareil, t'attends. Et s'il n'y a rien qui se passe, tu vas te mettre porte. Ou alors, si je te dis viens jouer avec moi, tu viens jouer avec moi. Et si je te dis mets-toi en flash pronax, donc la flash pronax c'est ça de base, mais bien sûr, t'as bien entendu, si t'as suivi le stream, les flashs comme ça pue la merde. Dédicace à M le maudit. Et donc tu te mets ici, tu te mets double flash, tu vises à peu près au-dessus d'ici et tu lances. Alors, en Ok. gros, si tu veux un repère facile, ouais, tu vises à gauche de ça là. Double clic là, tu vois, pas clic gauche, pas clic droit, les double clics, tu lances. Et moi en gros, je me mettrai ici. Et en gros, je vais au moment où je tire, tu lances. Donc je tire, tu lances, blanc, on décale à deux, on nique des grands-mères. Ok? Et sinon, ouais, Moi j'ai une tu restes question. ici. Ouais. Par exemple, je suis Fixal, donc je suis dernier à tourner. Vous avez tous tourné, en fait, ils ont fait une retake, donc vous êtes à 3 à tourner parce qu'il y en a un qui est mort sur B. Moi je fais quoi? Je reste dans la longue, sachant qu'il passe corne. Je reste dans la longue ou j'essaie de En reprendre gros, le VP? si toi en gros le but c'est de jouer. T'as déjà montré la mollo ici là? Non, en gros non, on va mettre la mollo là. Déjà, Ouais. de base, tu vois ça, tu vises en dessous et tu cours et tu lances. Comme ça en gros c'est le mollo qui prend tout le sas. Donc déjà, tu pourras jouer déjà comme ça au début pour économiser tes stuff, ok? Et après tu joueras soit en sautant. Si un gars qui arrive, tu peux te smoker. Et toi en gros tu joueras les flashs comme ça. Sauf, bien sûr, pour les retêtes là ce que t'as dit, c'est soit t'off ta GA, soit tu back. Mais ça dépend en fait, ça dépend du temps, tu vois, ça dépend du temps. D'accord. Si par exemple il reste 25 secondes, tu recules en slow, pas en courant, tu recules en slow, tac, et tu viens jouer ici. Tu te mets limite flash en main, tu fais que des gauche-droite. Et là, à 25 secondes, il n'y aura personne GA. Si un gars GA, bah tant pis pour lui, tu te joueras après, on s'en bat les couilles. Lui, à 25 secondes, il n'aura pas le temps. Donc t'arrives, 25 secondes, ça va arriver corne. Vas-y, flash derrière moi quand ça arrive, je flash, tu viens de battre direct. Si un gars GA qui nous tue, bah le temps qu'il arrive, c'est trop tard, il n'a pas le temps de poser la bombe. Dis-toi, c'est 25 secondes, ok? Et les rotations, toi en général, GA, bah je suis désolé, c'est un rôle de merde, je l'ai connu. Si ça passe en B, bah tu vas écho. Si ça passe en B et à des frags, bah tu off ta GA, mais tu fais gaffe parce qu'il faut que tu réfléchisses comment je joue la coupe en A. Est-ce que la coupe joue d'ici, ou est-ce que la coupe joue coupe corne, ou est-ce que la coupe joue avec les mecs B, ou est-ce que la coupe du B court. Ok, donc toi t'as juste à te focus là-dessus, rien d'autre. Ok? Ça marche. Merci Fou pour la donation, c'est bon pour les chocobons à d'autres. Merci Boa Fou pour la donation. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je sais, ça va peut-être un peu vite, mais de toute façon on va faire deux pracs et on va voir comment ça se passe. Ok, de toute façon donc voilà, je vais un peu gueuler, enfin ça va pas être du gueulage, mais je vais vous dire à chaque fois quoi faire pile poil. Je vais être chiant avec vous, mais c'est fait exprès pour vous passer de moins en moins d'erreurs. Dites-vous que par exemple l'équipe qu'on a fait, enfin l'équipe, le mix qu'on a fait avec LDLC, qu'on a battu LDLC là. Ben on a joué que 2 semaines et en 2 semaines j'étais chiant, je leur disais flash anticorne, préparez-vous les timings, machin machin machin. Et en 2 semaines, regarde, il y avait quasiment aucune erreur. Bon après t'avais des bullies qui couraient n'importe où, ou des autres qui couraient n'importe où, bon ça c'est leur style de jeu. Mais au final dans les contrôle maps il y avait aucune erreur, tu vois. Donc je vais être chiant, c'est normal. Par contre c'est qui Zinc là? Ouais, c'est la prac? Ah ok, ouais, bah putain t'as si vite. Hein. Vas-y go dans le groupe Steam là, je vous ai tous sur Steam là? Non? Vas-y on va mettre le tag, comme ça fait. Et puis c'est un petit troll. Désolé pour le chat les mecs, je regarde pas le chat, je regarde après. Devil vient ban un mec sur TS. Mettez-vous dans un channel privé de sub au pire si vous voulez les mecs. T'as les droits hein, pour mettre ça, hein, il me semble. Je vous passe le groupe.
Après, pour les questions sur le chat, on verra entre les deux pracs. Ou après, tout à la fin. Donc, ok les mecs. Si vous avez des questions, regardez la rediff et dites-moi à la fin ce que vous avez besoin de répéter. Ou s'il y a des. Enfin voilà, si vous avez besoin de trucs, on verra après. Là, je me focus sur mes joueurs. Et on verra après. Ok les mecs sur le chat. Parce que là, c'est. Là, enfin, tout expliquer de A à Z, le jeu en lui-même, c'est compliqué quoi. Surtout en une soirée, en 30 minutes. Je vous passe le truc. Tac. Vas-y, je mets sur TS, mettez le tag. Ça nique un peu la voix. Et pareil pour le contrôle map, il y a plusieurs façons en fait, les mecs. Donc là, j'explique juste une façon, enfin, même si j'ai expliqué des petites variantes. Mais encore beaucoup beaucoup plus de variantes. Et peut-être que si un jour, là, peut-être que dans 2 semaines, on fera cette line-up là. Et justement, je vais rajouter des trucs. Peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai exprès de rajouter des trucs, ok les mecs. Je ferai ça une fois toutes les 2 semaines, c'est pour ceux que je pense. Parce que là, je vais partir une semaine, je serai pas chez moi. Une semaine et demie. Et toutes les 2 semaines, on fera sûrement des pracs comme ça, une session de prac. On changera de map, et voilà quoi. Bon, à mon avis, il y a plusieurs streamers qui vont me recopier après. C'est peut-être que je veux dire, mais voilà. Moi, je m'en fous. Au pire, si y a des streamers qui veulent expliquer, bah, ça sera bien, tant mieux pour vous. Mais voilà. Moi, j'ai vraiment bien, bien tout faire du début à la fin. Et pas aller trop vite. Bah invité je crois. J'ai mis sur le TS, t'as juste à cliquer, c'est un groupe. C'est un groupe en fait, tu peux join. J'ai pas où il est, j'ai jamais mis le voix. Team God. J'ai un troll putain. Tu fais sûrement 10 pracs? Non, je vais juste faire 2 pracs et après je retournerai en soirée normale. Donc fais site avec les viewers ou pick up avec les viewers. Et monte une team en fait? Non, là, je monte pas de team. En gros, j'ai pris des viewers, quelques potes, quelques viewers. Et je leur montre. Enfin, le but c'est vraiment de faire comme si que j'étais en début de team. Là, c'est comme si que je faisais une team. Ok? Mais après, j'explique. Voilà. Bon, il y a des choses que j'aurais pas expliqué en team, tu vois, mais voilà. Je fais comme si que j'étais en début de team et que j'apprenais tout du début à la fin. Exact. Go. Donc là vraiment les gars sur le TS, donnez juste votre info, essayez de pas donner d'erreur parce que là je vais vraiment essayer de vous faire chier parce que des trucs il va y avoir beaucoup d'erreurs. Je vais essayer de les corriger instantanément tous les rounds. Ok? Donc faut vraiment qu'on rage pas, faut vraiment qu'on prenne pas d'initiative et qu'on joue carré normal. Ok? Et dites-vous que c'est pas grave si on perd des rounds ou quoi, le but là c'est de travailler. Moi c'est pareil, je vais pas jouer normalement, je vais regarder mon radar, je vais essayer de vous diriger. Et le but c'est d'apprendre là, c'est pas de gagner quoi. Les gagner on s'en bat les couilles. C'est bon. On va commencer en terreau, je pense. On va commencer en terreau, ouais. MP, swap team. On commence en terreau comme ça.